Harry Potter, héritage de Poudlard. Let's go. Ah non, c'est plus haut. J'espérais vous voir. Le ministre Spavin parle plus qu'il n'écoute. Il radotait au sujet de dragons incontrôlables. Il refusait d'entendre parler des gobelins. À ce sujet... Professeur, tant de choses se sont passées depuis votre départ. Votre ami, Monsieur Ollivander, m'a envoyé J'espérais vous voir. De l'aider à retrouver une baguette magique ancienne qu'on lui a volée. Oh, tiens donc. Et je suis allé dans la volière, comme il me l'a dit, et il y avait toutes ces statues. Comment ça ? Des statues ? Dans la volière ? Oui. Et ça m'a mené à une cachette secrète où j'ai trouvé le fantôme de Richard Shuka. Let's go. Richard Shuka. Il a étudié à Poudlard il y a longtemps. Il m'a parlé d'une grotte secrète. À l'intérieur, juste à côté du squelette de Shuka, j'ai trouvé les pages manquantes. Vous avez retrouvé les pages manquantes ? Oui. Et puisque Shuka avait suivi la carte qui s'y trouvait, en découvrant ces pages, j'ai découvert l'emplacement sur la carte.
Ça va vous surprendre, mais cette pièce est située sous Poudlard. Pourquoi ne suis-je pas surpris? Allons-y. C'est la réponse que j'attendais. Oh, et nous aurons besoin de... Let's go! Let's go! J'ai un chapeau de l'enfer là. Oh, délai. Collimation bleue parcelle. En fait, cette pièce s'appelle la salle de la carte. Et un portrait de Percival Rackham nous y attend. Le professeur Rackham. J'ai hâte de le rencontrer. Percival Rackham. A-t-il obtenu les pages du livre? De toute évidence, Peeves les a volées. Et Richard Shouka les lui a volées ensuite. Ah, Peeves. Attends, c'était pas un freeloot? Pas comment on l'ouvre en vrai lui. Expelliarmus. Confingo. Vous êtes bien intrépides vous deux. Restez sur vos gardes. Et dire que ça a toujours été si près. Si seulement tu pouvais voir tout ça. Le professeur Rackham. Bonjour, professeur Rackham. Nous avons placé le livre sur le piédestal, comme vous le vouliez. Et voici mon mentor, le professeur Fig. Comment allez-vous, professeur Fig? Et vous? Comprenez-vous désormais pourquoi vous deviez revenir avec le livre? En effet, je comprends aussi pourquoi vous appelez cette pièce la salle de la carte. Avoir parcouru tout ce chemin prouve que vous possédez des capacités magiques extraordinaires. Leur potentiel et leur puissance vous seront révélés, si vous vous en montrez digne. L'emplacement des quatre épreuves apparaîtra, à terme, sur la carte. Elles mesureront vos compétences et vous donneront accès à des connaissances inestimables. Vous devrez les terminer par vous-même,
sans aide. Vous devrez les terminer par vous-même. De ce que vous avez vu dans la pancine dans mon coffre à Gringotts. Quoi? Dans son coffre à Gringotts? Coffre à Gringotts. Vous et votre ami Charles parliez du port au loin et des épreuves créées pour qui pourrait voir les traces de magie ancienne. Précisément. Et Charles est un autre des gardiens. Une désignation que nous nous sommes donnée il y a des siècles. Étant donné les connaissances que nous avons été obligés de garder secrètes jusqu'à aujourd'hui. Alors, le coffre, la réserve de la bibliothèque, la découverte de cette salle, ce n'était pas des épreuves? Tout cela constituait une partie importante du processus. Mais ce n'était pas une épreuve en soi. Le fait que vous soyez ici est néanmoins de bon augure. Les épreuves ont été conçues afin de garantir que le pouvoir et les connaissances que nous avons gardés secrets ne tombent pas entre de mauvaises mains. Elles mesureront votre talent à la fois inné et acquis. Mais tout aussi important, ce dont vous serez témoin au cours des épreuves influencera ce que vous choisirez de faire avec ce que nous vous apprendrons. Il vous faudra de la patience. Les épreuves ont beaucoup à vous apprendre. Cela prendra du temps. Je crains que nous ne puissions pas nous permettre d'attendre. Nous avons attendu si longtemps, professeur Fig. Quelques minutes de plus ne devraient pas... Sauf votre respect, monsieur, bien que je ne connaisse pas... On parle à un tableau, bordel. Je sais que cette jeune personne a vu des traces. Des traces d'une puissante magie noire maniée par les gobelins. Et nous avons rencontré un gobelin étonnamment puissant qui possédait une magie similaire alors que nous quittions votre coffre chez Gringotts. Il est peut-être déjà trop tard. Voilà en effet de graves nouvelles. Dites-moi, faites-vous confiance au professeur Fig? Oui. Dans ce cas, étant donné votre considérable talent et tout ce que vous avez déjà accompli, nous allons commencer. L'emplacement de la première épreuve est sur la carte en dessous de vous. Le professeur Fig peut vous aider à trouver les épreuves, mais elles ne peuvent être réalisées que par une personne ayant nos capacités. Regardons un peu. Regardons un peu. Je connais cette tour. Elle n'est pas loin. Vous l'avez peut-être vue, vous aussi. Elle me dit quelque chose. Peut-être que cette jeune personne a davantage voyagé que vous le pensez. En tant que mentor, le moins que je puisse faire est de m'assurer que ce soit sans danger. Rejoignez-moi dès que possible. Vous dites que vous connaissez cette tour. Que pouvez-vous m'en dire ? Pas grand-chose, je le crains. Je suis passé devant bien souvent. Elle est au nord de Préolard. Dans mes souvenirs, elle avait l'air abandonnée. Mais de toute évidence, cette tour cache bien des secrets. Je vous retrouverai à la tour dès que possible. D'ici là, faites attention. Et ne dites à personne où vous allez. D'apprendre Glacius, le sortilège d'immobilisation. C'est un moyen efficace de calmer le jeu lorsque la situation s'envenime. Mais d'abord, j'ai quelques tâches à vous confier. Revenez me voir lorsque vous les aurez terminées. Thank you.
rejoindre le professeur Fig à la tour. Incroyable. Je vais me TP en vrai. Ah, je peux pas me TP là ? Il me semble que c'est des flammes que j'ai découvertes, non ? Ah non, c'est que les vertes. Lumos. Ça change pas grand chose, j'ai l'impression. Danger. Over here. Des centaures. Jouer en vrai. J'ai oublié comment jouer. C'est pas de ma faute si tu es une araignée géante mortelle. Protego, résisto. Réveillons.
Réveillon. On lui a brûlé ses morts là. Fait par un chien. Ces pierres ont connu des jours meilleurs. Confringo. Tu devrais peut-être bouger. Legioso. Action. Incendio. Je m'ennuie. Il est où? Ah ouais. Incendio. Incendio.
Incendio. Reparo. Incendio. Revelio. Revelio. Confringo. Confringo. C'est une zone pour les arachnophobes en vrai. Confringo, Revelio. Branlio. Incendio. Merde. Les Inferius. Revelio. Si tu veux mon avis, tu verras bien de la mort. Action. Incendio. Oh.
Mafioso. Revelio. C'est full braconnier dans cette zone là. Quel plaisir de vous revoir. Par ici. Nous ne sommes pas seuls. D'après ce que je peux voir, il y a une dizaine de fidèles de Ranrok, peut-être plus. Ne pourrait-on pas transplaner dans la tour ? Trop risqué. Nous ignorons ce que renferme cette tour. Pour ma part, je serais curieux de savoir ce qu'ils font ici. Ils ont dressé le camp un peu plus loin. Essayons d'en savoir plus avant de faire quoi que ce soit d'autre. Allons-y. C'est loin d'être idéal. Non, vraiment pas. Par ici. Et je propose que nous utilisions le sortilège de désillusion ici. Autant éviter de prévenir tout le monde de notre arrivée. Faisons vite. Restez cachés et lancez Petrificus Totalus. Petrificus Totalus. Petrificus Totalus. J'ai pas Petrificus Totalus là. Ma gueule ou quoi? Petrificus Totalus. Potion peut-être. Petrificus Totalus.
Il fallait juste s'approcher assez près. Il doit y avoir quelque chose ici, Ranrock l'a dit. Il faut que t'arrêtes de manger autant. Je t'ai pris pour un troll. Il doit y avoir quelque chose ici. Ranrock l'a dit. Petrificus Totalus. Il doit y avoir quelque chose ici. Ranrock l'a dit. T'as peur de m'affronter ? Tu vas regretter d'avoir mis... T'as peur d'une petite altercation ? Ah, chill. Y'a rien ici. Revelio. Des ordres. Émanant de Ranrock. Ces ordres indiquent qu'il cherche quelque chose en rapport avec des noms. Quel nom ? Et pourquoi ici ? Je vais te faire souffrir. C'est toi qui sens comme ça. S'oppose depuis toujours aux sorciers, mais cette fois, c'est différent. Ah, je suis content. Revelio. Nous ferions mieux d'entrer. Et loot. Revelio. Ce n'est pas une coïncidence si nous avons rencontré des fidèles de Ranrock ici. Revelio. Nous avons trouvé l'entrée, apparemment. C'est verrouillé. Un sortilège de déverrouillage ? C'est très pratique. Ce n'est pas le moment. Mais si on ne vous l'enseigne pas très vite, nous travaillerons dessus une fois rentrés au château. Revelio. Revelio. Tornado. Je me demande qui c'est. Avec cette tenue, ce pourrait être n'importe qui. Voilà quelqu'un qui aime lire. Beaucoup de ses ouvrages me sont inconnus. Ah, vos emplacements sont pleins. Thank you.
Ces balais ont dû être enchantés il y a plusieurs siècles. Je n'avais jamais vu d'enchantement qui dure aussi longtemps. Revelio. Bienvenue dans la tour de Sanbacar. Bonjour, professeur. Vous avez dit la tour de Sanbacar ? Oui, le professeur Bacar est l'un des gardiens dont vous devrez faire Percival connaissance. Rackham. Je suis content de constater que j'avais raison de penser que nous nous reverrions peu de temps après notre dernière rencontre. Même si, au vu du tumulte, vous semblez avoir rencontré des difficultés pour me retrouver. Pas du tout, professeur. Nous sommes tombés sur des gobelins à l'extérieur de la tour. Il est très inquiétant que des gobelins aient eu connaissance de mon coffre. Mais s'ils ont une connexion avec cette tour, la menace est plus grande que je le pensais. C'est pourquoi nous n'avons pas de temps à perdre. En bas, près de l'entrée, un dépôt de magie ancienne semblable à ceux que vous avez déjà vus a été déverrouillé. Utilisez-le pour accéder à un passage. Je crains de ne pas pouvoir vous en dire plus. Puisque le professeur Fig ne peut pas se joindre à vous, lui et moi vous retrouverons dans la salle de la carte. N'oubliez pas ce que vous voyez. Nous devons comprendre comment les fidèles de Ranrok ont découvert une tour ayant appartenu à un gardien. Pour le moment, cependant, vous devez vous pencher sur des sujets plus importants. Un dépôt de magie ancienne, je crois. Oui, monsieur. Alors, je vous confie cette mission dont je ne doute pas que vous serez digne. Néanmoins, faites attention. Oui, monsieur. Je vous rejoindrai dans la salle de la carte. Un dépôt de magie ancienne. En bas, près de l'entrée. Revelio. 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 Incroyable. Levioso. Reparo. En choisissant de l'équipement plus puissant. J'ai pas eu le temps de lire. Le mec se prend pour l'un des plus grands magiciens de la planète avec son chapeau. Il se trimballe avec sa petite baguette en faisant une branlette avec Ginette. Vracadabra. Raton laveur, s'il te plaît, c'est pas pareil. Je crois que je sais pas si je peux. Ça rentre. Incroyable. J'ai déjà vu ça, à Gringotts et dans la réserve de la bibliothèque. Un Templier. Vu que c'était le Klu Klux Klan ou quoi ?
Pour me protéger du soleil. Incroyable. Ça a dû changer quelque chose. Je ferais mieux de jeter un œil. Ah ouais. Un pont du turfu, bordel. Revelio. Ombre merdo. Je suis là. T'as commencé Harry Potter ou quoi? Quel branleur. D'autres traces de magie ancienne. Quelque chose doit être différent. Revelio. 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 Ça ne me fait pas vraiment plaisir de les retrouver. Au moins, je sais à quoi m'attendre cette fois. Expédiens. Experio, Levosio. Incroyable ce dash. Actio Revelio.
Je devrais examiner les deux côtés de l'arche. Incroyable. Du côté de l'arche. La pièce évolue quand j'entre et je sors de l'arche. Action. Le jeu est... Non, ça va en vrai, hein. C'est accessible. Hein. C'est un triple A, tu vois. De toute façon, les triple A sont toujours accessibles en vrai. Je vois un passage d'un côté, mais quand je passe à travers l'arche, il est bloqué par un mur. Revelio. Plus m'habito. Revelio. Comment je fais? J'ai intérêt à explorer des deux côtés de l'arche. Qu'est-ce que cette rafale de magie a pu changer des deux côtés de l'arche? C'est sûrement différent désormais.
Je dois observer comment la pièce évolue quand j'entre et je sors de l'arche. Est-ce que je peux rentrer et sortir de là ? Non, je pense pas. J'ai compris. Je dois utiliser les deux côtés de l'arche pour emmener la plateforme de l'autre côté du pont. Hein ? J'ai pas compris. Pour emmener la plateforme de l'autre côté du pont. Ah oui, je rentre, d'accord, et là j'attire la plateforme. J'ai compris. Je dois utiliser les deux côtés de l'arche pour emmener la plateforme de l'autre côté du pont. Action. Action. Revelio. Je ne me ferai jamais à ce sol. Incendio.
Levioso. Incendio. Branlo. Revelio. What? Voyons ce qui a changé de chaque côté de l'arche. Différentes de chaque côté de l'arche. Mais comment est-ce possible? Équipement complet, quoi. Levioso. Bon, c'est par là. Action. Et si je me tenais sur une plateforme et que je lançais Axio sur l'autre, ça pourrait marcher. Et si je me tenais sur une plateforme et que je lançais Axio sur l'autre, ça pourrait marcher. Incroyable. Revelio. Revelio.
Incroyable, je me suis fait éjecter. Knock out. Je n'aime pas du tout ça. Incendio. Bosso. Penicillino. J'arrive pas à éviter ça. Il faut lui mettre un petit Levioso en vrai. Deleto. Quel soulagement. Pulverizo. Revelio. Une autre porcine.
Revelio. Tête de Moro. Votre capacité à transformer le monde qui vous entoure est remarquable. Mon père ne va toujours pas mieux. Je pense qu'il ne se remettra jamais de la mort de mon frère. Il est insoutenable de voir ce que nous aimons souffrir. Ça remonte à des années. Et la douleur de l'avoir perdu est toujours aussi grande, comme si la sécheresse venait tout juste d'avoir lieu. Ce ne sont pas de beaux piliers dont il a besoin, mais d'être en paix. Peut-être puis-je l'aider, professeur. Vous en faites déjà tellement pour votre père. Ce n'est pas suffisant. Revelio. Je veux qu'il arrête de souffrir. Tête de Moro. Il est tentant, c'est vrai, d'utiliser cette magie que vous découvrez pour transformer plus que le monde physique. Mais les émotions humaines sont puissantes et il est difficile d'y résister. Même une sorcière compétente aux intentions louables ne peut imaginer les conséquences irréversibles qu'entraînerait leur manipulation. Alors quoi, je dois me contenter de regarder mon père se consumer à petit feu? Ce n'est pas à vous d'ôter cette douleur. Chaque année, un élève voit quelque chose d'encore plus fou et improbable dans ses feuilles de thé. Oh, Miss Morganac. De retour à Poudlard, bienvenue, professeur. Miss Morganac. Il va falloir que je m'habitue à cela. Professeur Rockwood. Miss Morganac. C'est un plaisir de savoir que vous êtes devenu professeur de défense contre les forces du mal. Venez, asseyez-vous, parlez-moi de vos voyages. En fait, j'avais dans l'espoir que vous pourriez tous venir me voir chez moi ce soir. J'ai beaucoup de choses à vous raconter. Cela me ravirait. Nous préviendrons les autres. Très bien. Nous nous verrons là-bas. Un autre souvenir. Maintenant, je dois trouver un moyen de sortir d'ici. Un autre souvenir. Encore de la pierre cristallisée. Ce passage doit revenir à la salle de la... Qu'avons-nous là ? J'étudie à Poudlard, monsieur. Et voici le professeur Fig. Professeur Charles Rockwood, à votre service. Quelqu'un a donc réussi la première épreuve ? En effet, professeur Rockwood. Nous vous avons vu dans la pancine à Gringotts, avec le professeur Rackham. Tout à fait. Alors, vous avez trouvé le porte au loin pour accéder au caveau du professeur Rackham, et vous avez déchiffré la carte dans le médaillon qui flottait au-dessus de la pancine ? Oui. J'ai trouvé quelque chose que je n'arrive pas à identifier au-dessus de la dernière pancine. Ah, oui. Vous trouverez un artefact similaire à chaque épreuve. Vous devez les garder en sécurité. Vous en aurez besoin à la fin du voyage que nous vous avons préparé. Une fois que vous les aurez tous, nous vous dirons quoi faire. Très bien. Pouvez-vous m'en dire plus sur la prochaine épreuve ? Avant de continuer,
J'aimerais que vous alliez parler à Charles de la situation avec les gobelins. Les gobelins ? L'élève a vu des traces d'une puissante magie noire maniée par les gobelins. L'élève et son mentor, le professeur Fig, ont vu des gobelins rôder autour de la tour de San Bacar. Et ils ont également vu un puissant gobelin dans mon coffre, à Gringotts. J'ai bien peur que nous ne devions arrêter les épreuves jusqu'à ce que nous ayons plus d'informations. Nous nous en remettons à vous pour cela, bien sûr. À présent... Dites, professeur, ce nom, Rockwood, vous pensez que... Qu'il y a un lien avec Victor ? Peut-être, mais nous ne pouvons pas en être certains. Pour l'instant, dites-moi ce que vous avez vu dans la pancine. Avant qu'Isidora, la sorcière que j'ai vue dans la dernière pancine, n'enseigne à Poudlard, elle s'était disputée avec le professeur Rackham au sujet de l'utilisation de la magie contre la douleur. Espérons que la prochaine pancine nous donnera plus de contexte. En attendant, nous devons découvrir ce que c'est Ranrock. Pour être honnête, je ne sais pas du tout par où commencer. À vrai dire, je connais peut-être quelqu'un. J'ai vu Sirona des Trois Balais parler à un gobelin. Il semblait bien s'entendre. Cela vaut la peine d'essayer. Tagelus. Essayez d'en savoir plus. Tagelus. N'oubliez pas mes devoirs. Bien, monsieur. Avant que vous ne partiez. Professeur ? Avez-vous trouvé des traces de magie sous forme de tourbillon dans le monde, en dehors de celles que nous avons croisées ? Pas que je sache. De quoi s'agit-il ? Ce sont des traces des efforts des gardiens visant à manipuler la magie ancienne. Elles datent de notre époque. Si je ne me trompe pas, et je me trompe rarement, vous devriez pouvoir vous en servir pour améliorer votre propre magie. Merci, monsieur. J'ouvrirai l'œil. Incroyable cinématique. Des citrouilles et un château. Épreuve de Percival Rackham terminée. Lire le courrier. C'est où ? Acheter un balai chez Beau Balai. Tampon République française derrière. Revelio, je devrais interrompre. Venez me voir dès que possible à propos d'une affaire pressante et tout à fait confidentielle. Je pense que nous pouvons nous aider. Retrouvez-moi après les cours lorsque vous aurez terminé les tâches que je vous ai confiées. J'aimerais vous apprendre Descendo, qui permet de faire descendre des objets au sol.
Decento. Ok, bah je crois que je vais aller me branler en vrai. Hein. Sauvegarde. Allons se branler. Bonne branlette.